dancing free for eyes to see. My back is bent, my knees. Coucou les filles, je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mes produits finis à racheter ou pas et éventuellement par quoi je les remplace si j'ai le produit sous la main. Donc je vais commencer par ma base de chez Je mets Maybelline, donc c'est là, vous verrez pas, c'est la Instant Anti-Âge, le lisseur, donc elle est vraiment bien. Donc là j'ai utilisé le petit pot pour mettre des paillettes qui traînaient, donc voilà. Et donc je la remplace par, roulement de tambour je vous prie, par la même. Donc voilà, donc vous aurez compris que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, elle resserre vraiment bien les pores. Fait plutôt bien tenir le maquillage, mais moi ce que je cherche surtout avec ce produit là c'est resserrer les pores. Ensuite nous avons ma Biéaline. J'ai fait un mix de Bioderma et Créaline. Ma Bioderma, donc ma Créaline H2O, donc la solution micellaire. Donc je la remplace par la même. Donc c'est pareil, vous aurez compris que je l'aime beaucoup. C'est un produit que ça fait 3 ou 4 fois que je le rachète et elle démaquille très bien. Alors moi qui ai les yeux un peu sensibles, en fait je l'achète, il y a marqué peau sensible. Alors j'ai pas le visage très sensible, mais j'ai le dessous des yeux qui me brûle assez rapidement quand je, avec certains produits. Et avec celle-là, je constate que j'ai aucun problème. Donc du coup, je l'utilise et j'en suis vraiment très contente. Ensuite, nous avons mon eau florale de romarin, donc de chez Norrégien Ondu Talent. Donc je la remplace par toujours la même. Vous voyez à quel point je ne suis pas quelqu'un de chiant. Et donc, vous comprendrez que c'est un produit que j'aime beaucoup. Elle matifie très bien le visage. Ça démaquille également. Donc moi, je l'utilise sur les yeux, étant donné que c'est un peu gras comme produit. Vous allez me dire, mais comment c'est gras et tout, mais ça matifie. Je ne sais pas, ça doit être oil free. Donc, voyez, appliquer sur le visage à l'aide d'un coton pour parfaire le démaquillage et tonifier la peau. Et effectivement, ça démaquille. Donc moi, je l'utilise. Ça sent très fort, mais c'est pas une odeur qui reste sur la peau. Ensuite, c'est un gel shampoing. Un shampoing de chez Head & Shoulders. Donc anti-pelliculaire. Un gros bidon de 750 ml. De 750 ml. Que j'ai eu du mal à le finir. J'aime pas la texture. L'odeur est plutôt bien. Head & Shoulders, c'est pas des produits qui puent. Mais trop, en fait. Voilà, trop. On achète ça parce qu'on se dit c'est des formats familiaux et tout, voilà. Mais c'est trop. Et le produit par lequel je remplace, c'est un shampoing de chez 1-2-3 Expert. Ensuite, c'est une douche crème douceur de chez Dope. Donc à la framboise. Et ça, c'est juste une tuerie, donc je l'ai racheté, tout simplement. Donc je le remplace par rien, étant donné que je l'ai racheté. Enfin si, là j'utilise le cottage, coin et vanille. Et le gel douche de chez The Body Shop, la version l'édition limitée à la vanille gourmande. Donc ça c'est une tuerie, ça sent super bon, c'est une odeur qui reste. Donc c'est un gel douche, voilà. Mais il est vraiment très bien, il est doux, il est agréable, il est onctueux, j'adore. L'odeur les filles, juste l'odeur quoi, au moins aller le sentir. Ensuite, alors lui, de chez Stanex, Dermoskin Energy, un gel douche, donc à la vitamine C que je déteste. Il en reste un peu et franchement j'ai pas le courage de le finir. L'odeur, ça sent le liquide vaisselle, ça pue, je déteste. Pourtant Stanex, moi j'aime bien Stanex, celui qui sent rien. Je sais pas si vous voyez lequel je veux dire. Mais celui-là, il pue juste, c'est juste une horreur, c'est même pas moi qui l'ai terminé. J'aime pas du tout. Mon après shampoing, le Vive la Révolution. Donc je le remplace par actuellement qu'est-ce que j'utilise déjà, je sais plus le nom. Le Timothée à l'avocat et à le macadamia je crois, parce qu'en fait j'en ai plus, mais je vais aller m'en racheter là parce que bah je l'adore, c'est mon préféré. Il sent bon, il fait les cheveux doux, l'odeur reste sur les cheveux, c'est juste une tuerie ce produit. Et en dernier, j'en ai pas. Ah non, j'en ai encore un autre. Ensuite, donc, Tradition de Hammam, donc de chez Yves Rocher. C'est le masque à l'argile marocaine pour visage et cheveux. Donc, j'ai utilisé sur les cheveux, mais que je n'ai pas aimé. Et moi, ce que j'ai fait, je l'ai utilisé sur mes pieds. Tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai les pieds très secs. Et ben, ça m'a vachement aidé. Finalement, donc, je l'ai bien aimé sur mes pieds, mais je ne le rachèterai pas. Parce que, bah, il n'est pas fait pour ce que. Enfin, moi, je ne l'ai pas utilisé pour ce qu'il était fait, en fait. Et la texture est assez bizarre. J'aime pas trop la couleur. L'odeur, c'est pas trop pour moi. L'huile d'argan, j'avoue que je suis pas très fan.
Mais c'est un bon produit quand même pour celles qui aiment l'huile d'argan. Et en dernier, c'est un pigment de chez ELF. Donc il y en a plus. Et en fait, j'ai fini le petit pot, mais en fait le reste du pot, je l'ai utilisé, je l'ai transformé en fard à paupières. Et celui-ci, c'était un violet. C'était le Passionate Purple. Et je vais essayer de vous montrer le pigment normal. Et donc le pigment est là. Je vais essayer de zoomer tout ça. Voilà, il est là. Et donc c'est un violet quoi, hein, clairement. Mais il n'est pas très pigmenté, transformé en fard à paupières. Mais j'avais vraiment trop de mal avec le pigment en lui-même. Donc du coup je l'ai transformé en fard à paupières. J'ai l'impression que je suis floue les filles là. Ça me stresse. Donc du coup voilà, je l'ai transformé. Voilà, j'en avais pas beaucoup. Mais si j'aurais du choix, voilà, j'aime pas trop faire des vidéos de produits finis qui durent 3 ans. Donc voilà pour mes petits produits finis. Évidemment, comme à chaque vidéo, je vais vous faire des bisous et puis bah je vais vous dire à la prochaine. Bye bye. Dancing free for eyes to see, my back is bent, my knee.